Martin Bustos Moyano pour cette première tentative. Premier point de ce match en faveur de Montpellier. Après deux minutes, Montpellier mène 3-0 face au Stade français. La transformation est réussie, ça fait donc 10-0. Et donc a notamment, priori, notamment un gros problème l'année dernière. Je crois que l'année dernière, ils n'ont pas réussi à remporter un seul match, ou peut-être un seul, c'est très peu pour une équipe du standing du Stade français. Martin Bustos Moyano pour cette nouvelle pénalité. Pour l'instant, il est à 2 sur 2. Et 3 sur 3, 13 à 6. 7 points d'avance pour Montpellier alors qu'il reste 11 minutes dans cette première période. La transformation est réussie par Bustos Moyano. Ça fait donc 20 à 6 en faveur de Montpellier qui prend 14 points d'avance à 6 minutes de la fin de cette première période. Ou le break, hein. Avec la transformation en plus, ça fait 27 à 6, 27 qui a avancé et qui va permettre à Bustos Moyano de creuser un petit peu plus l'écart et de remettre les Parisiens à 14 points de cette équipe de Montpellier. On va rappeler en début de retransmission Montpellier qui a le pire pourcentage de réussite au pied cette saison en top 14. Il tourne à 62,5%, mais aujourd'hui Martin Bustos Moyano est impeccable. Et 3 points de plus pour Martin Bustos Moyano, français. Quand on n'arrive pas à marquer des essais, il faut savoir concrétiser ses temps forts par le pied. C'est ce que fait l'équipe et accrédité d'un très bon match d'ailleurs. Oui, on le disait en début de retransmission, c'est François qui nous rappelait que lorsque Thomas et Trendu jouent ensemble, il y a en moyenne 3 essais par match pour Montpellier 1. On est au-dessus de la moyenne, déjà 4 essais pour Montpellier aujourd'hui. Et Martin Bustos Moyano qui est impeccable au pied, 100% de réussite. Et le score qui enfle encore un petit peu. On a l'air ballon perdu. Attention, il faut la lâcher, il peut y avoir un essai. Ballon pour les Montpellier 1 avec Kambezou. Kambezou pour Bustos Moyano, retour intérieur, il va les marquer. Et il y a essai. Le 5e essai de Montpellier qui assure un petit peu plus son point de bonus offensif. Et qui alourdit le score, hein. Ça commence à faire cher pour les Parisiens, malheureusement. 45 à 16, transformation à suivre. Encore une fois, un ballon perdu du côté parisien. Récupéré de la pression, on va le voir. Warwick, grosse pression défensive de Fulgence Ouédraogo et François Trenduc. Ballon récupéré sur la poussée. Deux passes pour sortir de la pression. Et Bustos Moyano qui, en puissance, va aplatir malgré le retour de Saint-Zel. 45 à 16 et peut-être 47 dans quelques instants. On a aperçu Christophe Lossuc qui fait la moue, hein. Et Martin Bustos Moyano, vous avez annoncé en début de retransmission que l'an passé face au Stade français, alors que Montpellier s'était imposé, le Stade français avait battu Montpellier 32 à 16 avec Bustos Moyano qui en est à 8 sur 8 pour l'instant. Alors, évidemment, maintenant que j'ai dit ça, normalement il la rate. Non, il passe encore, 9 sur 9, impeccable Bustos Moyano, et ça fait 47 à 16, 31 points d'écart en faveur de Montpellier, 5 essais à 1. Alors il y a eu des changements, messieurs, du côté... Oui, je sais. Et on voit bien haut. D'accord, merci.